Salut à tous, nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes de retour à Sofia, ce qui veut dire fin du périple, forcément. On a rendu la voiture tout à l'heure et là on va passer une partie de la soirée en ville avant le décollage demain matin, normalement, si tout va bien, vu qu'ici les avions ils sont pas forcément toujours à l'heure. Donc on va essayer de vous montrer la cathédrale et toutes les petites merveilles de Sofia. C'était un arrêt pas prévu, mais on se balade souvent autour des stades et quand il y a une porte qui est ouverte, on essaye d'entrer et là, c'est ouvert à tout le monde. Donc on est au Levski Stadium, le stade national où joue l'équipe nationale de Bulgarie. Il est très grand, très beau, vraiment visuellement, avec une piste. Bon, ça c'est un peu comme tous les stades ici. Pas de club résident normalement depuis la guerre, parce qu'avant c'était le stade du Levski, mais avec le régime, etc., on avait annulé tout ça. Et le Lokomotiv, là, Sofia a joué contre le Botev Plovdiv la semaine dernière ici, a perdu. Je sais pas combien il y avait d'affluence, mais il y a un bel écran géant là-bas. En plus, on a une belle vue derrière quand même avec toutes les montagnes et tout. J'ai pas regardé exactement combien il avait de place ce stade, mais il en a 43 000. 43 000, donc ça fait une moitié de stade de France, quasiment un Parc des Princes. Il y a eu des concerts ici, il y a eu Madonna, il y a eu Metallica, il y a eu AC/DC dans les années 2000. Mais un beau passage de notre vlog du jour, c'est cool. C'est l'étape finale de ce voyage, même si, pour tout vous dire, on est déjà venu le premier jour parce que je voulais vraiment voir ça. Et ça fait plaisir. J'essaie de la cadrer derrière moi avec ma grosse tête, mais c'est un peu galère. Ça fait plaisir d'être là. Cette année, sur la saison, on aura fait le mur de Berlin, le Colisée. Ça maintenant, c'est important, je trouve, dans les monuments que je vais faire dans ma vie. Ça commence par l'Europe et c'est plutôt cool d'être là. J'ai un peu la barbe n'importe comment bah oui, parce qu'ici on doit remettre le masque dans le métro, du coup ça fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, les petits plans de la cathédrale de Sofia, qui est vraiment très très jolie en vrai. L'or sur les toits, c'est vraiment sublime. L'église orthodoxe Saint-Nicolas juste avant, qui est pas très loin de la cathédrale et qui est très très jolie, qui est très récente puisqu'elle a du début du 20e siècle et c'est plutôt joli. Hein. C'est sur Vitocha Boulevard que ce vlog va se terminer, ce dernier vlog en Bulgarie. Je sais pas encore combien ça va en faire au total parce que il me reste quelques-uns à monter, mais pas loin de 10 ou 12 je crois. J'espère que ça vous a diverti au moins, nous ça nous a fait des souvenirs, c'était plutôt cool. Donc à bientôt pour un autre voyage, salut.